Alors, petite grosse vidéo à venir. Dans le cadre de l'échange fait avec couleur papier. Enfin, il était prévu. Voilà. Un swap. Donc un swap, c'est en fait, vous faites un envoi et la personne vous envoie des choses à découvrir. Enfin voilà, moi je connaissais ça, le swap version maquillage, où elle s'envoie des produits de beauté et tout ça. Donc j'avais dit à couleur papier, oui, dis-moi à peu près combien de créations tu veux, tout ça. Elle m'a dit, oh, 10, 12. Enfin en gros, une douzaine quoi. Dans ma tête, c'est ce que j'ai retenu. Ça se trouve, c'était quinzaine. Et là, en fait, elle m'a fait un envoi, il y en a 30 dedans. Donc ça ne va pas du tout. Le mien va me partir et voilà quoi. Et je suis pas du tout à cette quantité. Donc c'est pas bien. Et déjà, donc voilà, sur le carton, nous avions cette magnifique jeune fille. Qui, d'ailleurs, j'ai fait rire la factrice quand elle me l'a. Enfin, la guichetière, quand elle me l'a amenée, parce que j'ai dit, oh, bah, on dirait moi. Voyez, dans ma robe beatnik à moi. Enfin bon. Voilà, tout ce côté un peu ornement, arabesque, ma robe tranquille que j'adore par-dessus tout, en espèce de peau de pêche là. Donc voilà. Elle m'a dit oui, vous n'avez pas besoin de papier d'identité du coup. Donc elle est juste sublime. Et ça, c'était sur le carton. Enfin, je vous ai coupé le bas parce que sur le bas, il y a mon adresse. Et moi, je vais garder que ça. Ah, c'est Yann derrière qui a vu la photo du colis en me disant oh, et t'as envoyé le tien? Ben oui. Alors, voici donc un swap, c'est un échange. Vous emballez, il y a une surprise et dedans vous mettez des petites phrases bien senties. Alors, moi, malheureusement, j'avais pas le temps et j'avais peur d'être en retard, donc j'ai pas fait des belles phrases. Et c'est marrant parce qu'on a eu la même idée. Moi, le menu il est sur un tag aussi, ça je peux dire ça, comme ça, ça il n'y a pas de grande surprise. Alors on a plein de collages de papier à musique. Recueil, alors ça devait être tous les airs, non, un truc de musique. Tu es mon julot, tout contre moi, serre-moi bien fort dans tes bras, je te suivrai, je ferai ce que tu voudras. Ça va être une vieille chanson, ça. On a un magnifique A. On a une découpe de feuilles noir, on a des fleurs tissus rose vintage, on va appeler ça. Enfin, moi je le vois très bien et j'en ai aussi, j'en ai acheté plein. Une belle feuille fleur blanche rose, de la dentelle, un apron teinté, ou peut-être qu'il était d'origine marron, je ne sais pas. Un apron, rien que ça déjà, c'est énorme. Donc, voilà quoi. J'ose même pas imaginer l'intérieur. Là, on a donc de la dentelle, une fleur en dentelle, un anneau avec plein de pendants et des pendants violets et qui brillent et bien et diamants. Il y a vraiment le violet que j'aime. Puis avec cette forme goutte comme ça. On a à nouveau une fleur avec un beau brillant. Je suis qu'au début. On a un cabochon avec des arabesques beige dedans. Alors ça, je les ai, j'en ai deux. J'ai jamais réussi à les utiliser parce que je les trouve trop beaux. Donc vous voyez, au moins j'en ai l'utilisation, je les ai sous les yeux. Oh, il est beau ce tag. Et à la fin, c'est donc terminé par de la dentelle. Un morceau de dentelle avec des pendants. Voilà, tout ce que j'aime. Là, ça fait côté un peu heurtoir de porte. C'est magnifique. Donc on a le petit mot. Ravi de faire ce swap avec toi. Bah moi aussi, mais t'es une coquine, t'en as mis plus que ce qu'il fallait. J'espère que. Bon, je suis sûre que ça va me plaire, oui. Alors, les numéros. Là, c'est cette fois-ci, c'est ma moitié, c'est plus Yann. Il n'a pas compris. J'ai envoyé la photo et il m'a dit ouais, je comprends pas. Allez. Donc, il y en a 30. D'accord. Donc il est évident que je vais les couper les vidéos. Donc là, je mets ça sur mes genoux, non pas que je veux cacher, c'est parce qu'il va falloir que je tourne les petites étiquettes au fur et à mesure. Marie-Claire, elle a dit que je pouvais regarder dans le sens que je voulais, mais je suis ordonnée, donc j'ai trié mes petits paquets. Et voilà. 1. Je le souhaite à ton goût si je ne me suis pas loupée. Ah non! Ça, je l'ai pris à l'envers, c'est le numéro 30. Attends. Allez, c'est parti, pioche au hasard. Voilà. Non, je vais suivre les numéros. Le 1 est 100% Paris.
Alors. Ah bah elle m'a fait des jolis nœuds qui tiennent bien. Ah flûte. Attends. Parce que tout se récupère, hein, même la corde. Vous me connaissez, non mais. Hop. Bon bah de toute façon, à un moment donné, j'en aurais peut-être marre. Hein. J'ai quand même un côté grand enfant qui est capable de d'attraper un ciseau et pour voir ce qu'il y a en dessous. Alors, un 100% Paris. Franchement, au toucher, déjà, on dirait un livre. Peut-être un livre avec des belles photos, des choses comme ça. Mon Dieu, c'est un livre altéré. Oh là 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 là. Oh, un petit poule beau. J'en avais des illustrations comme ça quand j'étais petite. Enfin, j'allais dire non, ça, non, Gavroche, il a son béret. C'est un petit poule beau. Et là, on a le bal du dodo. C'était le nom du livre. On s'en fiche. Ce qui compte, c'est la couverture. Attends. Je sens que... Alors déjà, j'avais un album du docteur March et tout ça, qui était magnifique, qui est pour mes nièces cet été et tout, à mettre que les mes nièces et moi. Et alors là, je... Elle voit le petit Gavroche. Donc, c'est un livre qu'elle a vieilli, qu'elle a... Oh là là, elle m'a mis... Oh, c'est magnifique. Que des images de petits poules beaux comme ça. Regardez. Donc ça, par contre, je ne sais pas qui l'a fait. C'est quelqu'un qui l'a crayonné. Là, vous avez le petit poule beau avec sa flûte. Oh là là, c'est juste sublime. Là, en dessous de Montmartre. Avec une petite horloge et une guitare. Rue du Rendez-vous. C'est sublime. Là, en train de peindre. En train de peindre une Joconde. Oh, le temps que ça a dû te prendre. Là, un petit poule bon policier avec la tour Eiffel. Les livres. La baguette et le pot au lait. Du papier. J'adore ça, des collages comme ça. Là, du papier un peu psychédélique vert, enfin, voilà quoi. Années 80, quoi. Et les papiers peints de ma grand-mère, elle a un papier peint comme ça dans la chambre d'amis. Là, rebelote le petit poule beau avec son ballotin, sa valise, sa baguette, café de Paris, et là, un titi parisien. Oh, c'est juste beau. Vendeur de marchand de journaux. Alors, ça, il y a ça, donc c'est pour ouvrir. Pour écrire, oh, c'est parfait. Là, oh, quelle est belle la poupette au moulin rouge. Oh, c'est magnifique. Là, une beatnik qui fait de la musique avec, vous voyez, tout le papier fleuri années 70. Là, ce que je vous disais, genre style papier peint. Voilà, ça, c'est toutes les illustrations qu'on avait en amont. Oh là là, juste dessiné comme ça, crayonné. Ça, j'adore. Des esquisses en fait. Des esquisses du personnage. Ça s'est écrit quoi? Gamine étendue. Quai de Monterellio. Magnifique. Oh, c'est juste superbe ce livre altéré. Tout un travail, donc les pages sont collées entre elles là où il y a des collages comme ça qui rigidifient bien. Oh, et là, c'est une double enveloppe. D'accord. Alors, attendez, comme ça. Là, c'est la version les amoureux et effet salaire. Là, il pique un bisou sur le pont. Là, il pique un bisou à l'école. Et là, il se balade en pleine campagne. Alors, je vous dis qu'elle va durer longtemps, cette vidéo. Là, il est avec son petit bout de pain. Sa petite punaise. Qui est genre épinglé et sa tour Eiffel. Oh, c'est superbe. Oh, puis ces images-là, j'aime beaucoup. Et là, c'est les versions gros rebelles. Il est en train de fumer sa cigarette avec toujours sa bouteille de lait. De Michel, hein, les illustrations Michel T. Le pain, un petit chien et une petite blondinette. C'est magnifique. Toujours une page de papier. Enfin, de papier peint. C'est papier années 70. Là, on a. Oh, il lui offre une bague.
C'est mignon. Oh. Oh, c'est encore un truc. Là, je vous le fais en vite, hein. Mais moi, je vais mettre 15 jours à regarder ça, quoi. Oh. Alors là, il est avec sa raquette de tennis. Là, on a toujours l'esquisse. Et l'esquisse, en fait, là, qui prend la même position, en tout cas, que le petit titi. Que le petit poulebot. Eh, je vous avais dit que c'était un poulebot. Pas un titi parisien comme ça. Oh, ça, c'est magnifique. C'est joli. Ça me fait penser à une illustration de Martine. Et le moulin rouge derrière. Avec la guitare. Collage de papier peint. Enfin, c'est peut-être pas des papiers peints, hein, mais vous voyez ce style-là. Et là, l'esquisse au crayon. Là, assis sur un banc et avec son amoureux, sur un quai. À nouveau, tout ce qu'on vient de voir. Oh, c'est juste magnifique, c'est un travail de fou, ça. De fou, fou, fou. Ça, c'est le poulbeau, mais sur un point de croix. Là, on l'a à nouveau avec une petite carte. Paris, 5 km. Oh, il y en a encore dedans. Et ça, c'est ça que j'adorais. Avec couleur papier, moi, quand je regarde ce qu'elle fait, c'est vous, il y en a toujours. Il y en a toujours partout. C'est génial. Donc, bah, elle fait du stop jusque Paris, la petite mère, ça, 5 km. Là, bah, il monte ses fesses. Et là, oh, elle est jolie aussi. Il y a une petite fille qui avait tenté de faire Montmartre derrière. Oh. C'est superbe. Et là, un poulebot devant le moulin rouge. Je vais montrer ça à ma mère, elle va être folle. Je suis sûre qu'elle va adorer. Là, c'est une petite cartonnette avec lui en boulanger. Enfin, le personnage en boulanger. Toujours ses aspects papier peint. Sorti de l'école sur un pont. Là, on a à nouveau une scène dessinée à la main. C'est quoi? Est-ce que vous pourriez ajouter une petite jeune fille plus petite que les garçons? En train de je sais pas quoi. Chien métis. Un caniche est trop snob pour un. Pour les nascres. Non mais c'est écrit tout petit, c'est pas l'écriture de couleur papier. Hein. Mais du coup c'est marrant. C'est voilà. Le dessin, l'esquisse même. Oh, j'adore. Et on fera un triplé. Là. Ça y est, il est triplé. J'adore les triplés. Enfin, quand j'étais petite, je regardais plus le dessin animé, il faisait que des bêtises. Hop. Encore des poulebots. C'est magnifique. Magnifique. Et là, c'est les petites images qu'on a déjà vues. Là, c'est. Eh, hey, j'ai dit que c'était une flûte tout à l'heure. C'était pas une flûte. Il est en train de croquer dans sa baguette. Là, ils sont assis. C'est juste sublime. Là, il y a un petit short. Je vais les regarder bien en détail après. Ichin, Aride, Little Shot et Gamin à la cigarette. Là, ils ont tous des noms. Là, on a à nouveau l'esquisse. Puis moi, j'adore ça. Au festival de la BD à côté de chez moi, rien que pour ça. Rien que pour regarder les planches d'esquisse, les traits, les perspectives et tout ça. Moi, les dessins, les croquis, à la rigueur, plus que. Si, j'adore les BD, donc forcément. Mais plus que la BD en elle-même, quoi. Déjà, voir les croquis, moi, c'est. Je sais pas, on va jamais s'en sortir cette vidéo. Hein. J'avais dit 10 par 10. Voilà. Une petite dame avec un gâteau. Enfin, une petite poule botte avec un gâteau. Poule botte, ça existe? Je ne sais pas, je viens d'inventer. En route pour Montmartre. Oh, regardez-moi ça comme elle est belle. Elle est jolie parce que là, elle fait plus adolescente. Là. Fait moins petite fille encore. Là, on l'a version peintre. Quand je vous dis que c'est merveilleux, il y en a partout avec Marie-Claire. Regardez. C'est une pochette plastique. Elle nous avait envoyé, pour celles qui ont participé, nos lots de calendrier de l'Avent. Tous les jours, il y avait un lot à gagner. C'était ces pochettes-là. Là, on a Monsieur Tour Eiffel. Oh. Mais moi, c'est beaucoup moins travaillé que ça. Là, on a une petite fille qui peint. C'est magnifique.
Magnifique. Là, j'ai à nouveau une esquisse en dessous. Là, non, ça ne se soulève pas. C'est le repli pour mettre bien dedans comme il faut. Regardez, j'adore. Là, la gamine est tendue, on l'a vu tout à l'heure. Ça, c'est le marque-page. En plus, c'est mignon tout plat. Des amoureux. Et là, qui regarde en dessous le pont. Donc, vous mettez comme ça, et c'est un marque-page. Là, oh là 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 là, oh là 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 là. Voilà, là. Et en plus, là où c'est marrant, regardez. C'est que ça fait comme des... Regardez, là. Limite, on pourrait croire que c'est à la continuité aussi. Enfin, non, on voit bien que les bras, c'est pas les mêmes. Mais une tête là, alors que la tête, elle est là. Là, vous en avez encore une. Là, j'ai encore une magnifique esquisse du petit garçon à la guitare. Attends, je remets bien. Oh. Aïe, aïe, aïe. Je vais reprendre le temps de bien tout regarder. Et là, dans la pochette, j'ai quoi? Oh, à nouveau une esquisse, mon Dieu. C'est magnifique. Une esquisse au crayon. Oh là 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 là. En effet, très Paris, 100% Paris. J'aime beaucoup. C'est juste sublime. Ah ben voilà. Là, on a. Tiens, ça me fait penser que j'ai fait ça dans un truc que je viens de faire. Une petite poule beau aussi. Oh, des poules beau métis. J'adore. Alors, ça, là, l'idée, elle est. Enfin, métis. Non, même des poules beau africains. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup l'idée. De toujours Michel ou pas là? Michel T? Oui. Le siffleur et la fille au chapeau. Je surkiffe. Après tout, ça sort des blondinettes. J'aime bien. Toujours les croquis. Là, les images. Elle en a encore. Elle l'a plus, elle en a encore. Oh, c'est magnifique. Regardez. Alors, c'est la même, cette petite fille longue. Mais là, on en teinté vintage. Oh. Enfin, pas vintage, en version bleutée avec un filtre bleu. En fait. Et là, on a les bonbons de Paris, la petite mère qui monte les marches et qui est en train de perdre sa culotte. Mmh. Voilà, c'est sublime, sublime. Mon Dieu. J'adore. Attends, non, mais il faut que je range. Attends, je fais une pause. Ça, il faut que je le range bien, quoi. Je peux pas le mettre là et ouvrir autre chose et que ce soit bancal et tout. Je reviens. Coucou. Alors, je vous avouerai que j'ai entre guillemets triché pour le 2 parce qu'en fait, il s'est déballé dans le carton. Donc, en 30-30, c'est pas mal aussi. Tu m'étonnes. Je vais vous montrer. Hein. Vous allez voir quand même comme quoi je n'ai pas déballé. Non, je n'ai pas ce format-là. Alors, voilà. Oh, moi, je n'ai pas fait des trucs comme ça. Regardez, des briques, eh ben oui, des briques. Alors du sauce string green, là, que j'ai pas ce magasin par chez moi. Bon, allez, je mets par terre, je verrai plus tard. Voilà, un motif brique, un pochoir brique en 30 ans. Donc, autant dire que là, même pour mon jeune que château fort Moyen-Âge, c'est plus que pas mal. 3. Je sais même plus où je vais. 3. Petite custo. J'espère que l'odeur te conviendra. Non, attendez, parce que du coup, j'ai tout rapproché là. Attends, c'est ça le 3. Hein? Oui, 3. Alors. Bon, alors, il est évident, je vous le dis, que je sais, enfin, je sais, vu la forme et ce que j'ai dans les mains, c'est une bougie. Et ça, je sais que couleur papier, ce n'est pas aussi que les junk et les albums. Elle touche à tout, elle nous l'a déjà dit, le crochet, le plein de choses. Et là, sa bonification, comme dirait avec Anso. Moi, j'aurais appris des mots grâce aux filles. Et là, nous avons une magnifique bougie customisée. Qui sent. J'espère que l'odeur te convient. C'est du café, non? C'est pas odeur café? Non. Mince. Il faut que je bois. Ah, je mettrai. Par contre, je ferai attention aux petites plumes, pas qu'elles brûlent.
avec un magnifique oh bah c'est beau oh. Papier, là on a alors le papier qui tient certainement la paraffine, voilà. Après on a le papier déco avec ses fleurs vertes et pêche, et là on a du coup monté en tissu une fleur pêche, des perles violettes, des plumes et des feuilles, et c'est juste sublime. Tu vois, moi j'ai même pas pensé à faire ça, quoi. Je crois qu'il y a une boîte que j'ai décorée. Enfin, je donne pas de secret, mais en fait, j'ai décoré parce que c'est l'emballage et que genre c'était une boîte de je sais pas quoi et que ça faisait pas beau. Oh. Regardez-moi ça, c'est magnifique avec cette plume là volante comme ça. Oh, regardez quand je bouge, j'adore. Ça fait des petits cheveux. Qui sait, il n'y avait pas une marionnette comme ça quand j'étais petite. Oui, plein de cheveux. C'est pas Elmo, non? Dans le Muppet Show, il y a une marionnette comme ça. 20 minutes, Audrey. Bon, alors, numéro 4. On n'en a jamais trop. Mais ça, je suis d'accord. Je ne sais pas ce que c'est, mais des couleurs très vintage. Alors, mon numéro 4. Oh, non, mais c'est 3 heures de vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est long. Oui, et du violet en plus. Alors, oh. La règle. Violette, c'est excellent. Violet gris avec un filet doré. Là, avec un ton plus rose. Ça, c'est les enveloppes. Ouais, ça, c'est les enveloppes. Oh, il va falloir faire quelque chose avec ça. Oh, ben, dis donc, ce set, des marbrures. Alors là, marbrure violette. Marbrure rose pêche. Regardez-moi celle-là. Taupe violette, c'est tout à fait des couleurs que j'adore. Bleu, gris, rose et vert du marbré. Oh, soit un calque imprimé ou un vélum peut-être vendu comme ça, parce qu'il est déjà en 15-15. Une feuille, une enveloppe. Et donc là, à nouveau, ces papiers violets avec la bordure là. À chaque fois, il y a la bordure. Alors là, c'est en bordure et là, il y a eu en embossage. C'est excellent ça. Le mot note. Allez, attends. Voilà. Oh. Et t'avais écrit quoi? Des couleurs très vintage. Oui, non, mais aussi très mes couleurs. Très violet. C'est magnifique. Magnifique, magnifique. Oui, et c'est oui, le style de dans le temps. Papier à lettres de dans le temps, etc. Mais dans des tons violets, violet taupe. Magnifique. Le 5. On va y arriver, les amis. Hop, je pose. De toute façon, après, il faudra que je cherche là. Je fasse la vidéo du restant. Grande consommatrice, tu es. Ah. Je ne sais pas, je consomme beaucoup de choses. C'est de bon cœur. Qu'elle m'envoie le dernier. Ah. Alors, vu la forme, il croit savoir ce que c'est. Tout le monde m'a pris en pitié parce que je ne trouvais plus les 3D. Donc, ça doit être ça. Ah. Oh, toi, tu t'es cassé la tête à me faire des jolies phrases. Oh, mince. Alors, moi, je t'ai mis utile à nous deux. Enfin, ce genre de truc. Ou pour ton prochain machin. Ou... Oh, bah mince. Donc, du coup, moi, ça fait pas trop de recherche. Ça fait pas réfléchir dans la tête, c'est limite on sait. Oh mince. Alors. Eh ben oui. Merci Marie-Claire. Alors comme tout le monde m'a envoyé, j'ai plus besoin d'en acheter. Vous avez refait ma consommation pour un bon mois et demi. Oh, c'est parfait. Merci beaucoup. Et oui, en effet, je consomme et surconsomme. Numéro 6. J'ai pas pu y aller. Non, ça c'est où? Ah oui, version scrap by, non, j'étais en Bretagne, moi. C'est comme à Metz, il y a Miu Miu qui s'était rendu, c'était pas loin, moi, le salon qu'elle avait eu à côté où Miu Miu allait. Mais c'était un week-end où je travaillais à l'époque. Oh, punaise. Oh là 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 là. Oh là, mon Dieu. Non, attends, commence. Regarde déjà ce que tu as dans les mains. Alors, Vintage Christmas. Ah bah ça, bah oui. Ah bah oui, regardez-moi ça. Avec des photos et en plus il y a du foil dedans. C'est excellent.
c'est magnifique. Il faut pas, il fallait pas faire des achats. Au départ, on avait dit des créations. Mais pas que tu fasses des achats, hein. Attends, je vais vous montrer les cartes de derrière. Moi, je regarderai bien tout ce que j'aime. Avec ces images de maman et de petite fille au pied du sapin. Magnifique. Oh là 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 là, mon Dieu, c'est sublime ici. Et je sais, ici, c'est des tags prédécoupés de la marque Kanban, hein, Kanban pour ceux qui... Regardez-moi ça. Des limites des mariés, hein, pour moi c'est des mariés. C'est des tags à découper comme ça. Avec, vous voyez, enfin pour moi c'est, oui, ça fait tout de suite, il y a des éléments, des aspects métalliques. Regardez les ceintures, là, les chaînes sur, ce, sur cette robe-là. Donc c'est en steampunk aussi. Delphine Peppercraft Toppers. Donc ça, bah pareil, c'est les découpes. Oh là 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 là, c'est sublime. Avec le fond damier, là, losange qu'on adore avec Yann. Oh mon Dieu. Des fleurs. Des fleurs vintage, c'est pareil. Déjà, tout pré-coupé, les cadres. Oh là là, c'est magnifique. Bon, je t'ai pas fait ce genre d'achat. Oh là là, c'est la misère. Je me sens pas bien, là. Ça, c'est du papier recyclé, figurez-vous. Sûr. Mais alors, après... Ah, ça se voit. C'est les fameuses fibres, vous savez. Oh, ben, on peut faire, en fait, on peut faire l'album, là. Je peux faire l'album avec ce papier-là et les images que j'ai des... Ah, c'est un espèce de marron kaki. Ça vous aide pas des masses, mais marron kaki. Là, oh, c'est magnifique. Une photo de mer comme ça. Tout ce que j'aime. Ou de football. Oh, des minouches. Ça, c'est pour envoyer à Sabine. Noël. Oh, des petits minouches. Des petits minouches de Noël, Merry Christmas et tout, enfin bref. Plein de petites étiquettes à découper chat. Oh là 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 là. Alors là, on arrive dans les illustrations que j'adore. Des oiseaux. C'est carrément des tranches. Hein. Pour moi, là, c'est des tranches. Vous coupez, vous le mettez sur la tranche du junk. Un petit piou-piou à monter avec mes nièces. Merry Christmas. Excellent. Encore une petite poule de Noël. J'adore. Eh ben, oui. Rouge classique. Et... Oh, bon sang. J'ai vu un truc écrit industriel derrière. Alors. Oh. Oui, j'aime beaucoup mettre des touches de rouge quand je fais du noir et blanc. Alors, ça, avec ces die cuts-là, moi, en fait, j'ai des coupes et vous les retrouvez dans d'autres... Je fais jamais le... ça. Voilà. J'ai jamais la patience pour monter les images de derrière. Je les prends, je les utilise ailleurs, autrement, dans des junk, dans... Ça, je suis capable de l'enlever, de me le mettre dans une pochette d'un junk. Hein. Voilà. Oh, une vieille machine à écrire. Ça va, un bijou. Ouais. Oh, c'est magnifique. La camé. Une vieille photo. Jean-Marie. Oh là là, un piano avec des notes de musique. Et une rose couchée. Superbe, vous voyez, c'est bien ce que je vous dis. Enfin, il n'y a pas que moi qui a ce sentiment, cette inspiration du noir, du blanc et du rouge qui vont merveilleusement bien ensemble. Oh là là, une robe rouge avec une vieille, un vieil appareil photo. Ça fait des belles cartes à monter, mais j'arrive pas à les monter parce que après il faut suivre et respecter et tout mettre bien comme il faut. J'y arrive pas. C'est tout, cherchez pas. Oh, c'est superbe. Le rouge n'est pas une couleur que je porte, mais j'aime beaucoup la travailler. Je suis jamais plus heureuse qu'à Noël en vintage. Enfin, ça, vous voyez, c'est pareil. Ça peut faire pour Noël, tout à fait pour Noël. Un envoi de Noël et pas un truc genre Saint-Valentin. Ou... Oh, merci beaucoup. Oh, c'est énorme, quoi. 29 minutes. L'industriel. Industriel. Oh, les bidons d'huile. Une moto. Non, Frimousse, c'est la mienne. Ah là 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 là, un mélange de bois, d'urbain, de regardez-moi ça. Oh, de rouille et de cactus, quoi. Un avion. Des chaussures. Oh là là,
j'adore. Puis dans le verre. Dans le verre, l'industriel et le bouteille. Tiens, les bouteilles de verre. Caisse de bouteilles de verre, j'adore. Et ça, là, craquelé comme ça avec le bateau échoué dessus. Oh, c'est magnifique. Un établi, un marteau, un pied de biche. Des engrenages. Oh là là. C'est mon monde merveilleux. Ce truc-là, je vais le découper. Ça va être mon monde merveilleux. Il ne reste plus que 1 minute. Bon, mais on est au 6. Bon, je range le 6. Et on continue. Tant pis, ça ne fera pas 10 par vidéo. Peut-être j'en mettrai plus ou moins. Voilà. À tout de suite. Enfin, à tout à l'heure. Ou à demain. Bisous.